Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferay. Véritable crise au sein de l'organisation l'USN depuis la fin du mandat du bureau sortant. À ce jour, l'USN est dirigée par deux bureaux parallèles. Alors, comment a-t-on arrivé à ce stade? Élément de réponse dans ce reportage. C'est un éternel commencement au sein du cadre organisationnel de l'USN. Véritable confusion, flou, tentative de récupération du cadre ou encore de la débandade. Ce sont là les mots qui minent l'organisation l'USN depuis des années, particulièrement depuis le dépassement du mandat du comité directeur sortant de l'USN de plus de 8 mois. En effet, tout est parti du dépassement du mandat du CD sortant qui, à son temps, n'a pas pu convoquer le congrès de l'organisation conformément au texte de l'USN. Ce qui a, dans un premier temps, provoqué les assises d'Ottawa dirigées par Malan, qui a consacré également son élection à la tête de l'organisation, qui a été par la suite suivie de la présentation du bureau au siège de l'USN. Je remercie Dieu Tout-Puissant qui a exaucé les vœux de scolaires nigériens. Les rêves qu'avaient les scolaires pendant à peu près 8 ans s'est réalisé aujourd'hui. Il y a tellement de problèmes à lui que le baobab n'a pas le droit au sommeil. Rien ne sera plus comme auparavant. Nous allons veiller à la moralité syndicale. Nous ne craignons personne. Ensuite, quelque temps après, le CD sortant, dirigé par Mokhtar, de son côté, a tenu les assises à Niamey du 15 au 17 octobre dernier. Assises qui a vu l'élection de Efred au poste du secrétaire général de l'USN. Ces assises ont également été suivies par la même chaîne protocolaire de présentation du bureau, toujours au siège de l'organisation. Le comité directeur de l'ISN encourage et félicite certains des acteurs de l'attroupement illégal tenu en septembre à Ottawa, qui ont décidé pour le consensus et l'unité des scolaires, comme prôné par la devise de l'ISN, de participer activement au 14e congrès logique et légal tenu à Niamey du 15 au 17 octobre 2023 au palais du 29 juillet. Le comité directeur de l'ISN se réjouit et se félicite de la décision de la justice du juge des référés qui a déclaré son incompétence à pouvoir suspendre les activités du congrès statutaire de l'ISN tenu à Niamey et appelle l'ensemble des magistrats désormais à œuvrer et continuer à faire preuve d'indépendance dans leurs décisions, dans le seul et unique intérêt du Niger et de son peuple. Après toutes ces étapes de confusion générale, les deux bureaux parallèles s'accusent mutuellement. Non, à partir de ce moment dont vous parlez, et avant même, il y a un seul et unique comité directeur, c'est celui qui est issu du congrès statutaire, 14e congrès statutaire qui s'est tenu à Ottawa. Pour nous, ce n'est qu'une petite récréation qu'ils ont fait. Ce sont nos petits frères, ce sont nos camarades certains. Ils étaient partis, ils ont fait un tour au siège. Après, vous avez quelques heures, il n'y a personne. On sait de quoi ils sont capables, qui les manipule, pour quel intérêt. Et aujourd'hui, l'opinion est témoin de l'implication directe de certains acteurs de la société civile, sans honte ni vergogne, et certains même des politiciens. À quoi l'affaire de l'ISN vous regarde? Si vous n'avez pas d'autres idées derrière la tête, en quoi l'affaire de scolaire vous regarde? Donc, il faut que ces gens-là arrêtent de s'ingérer. Pour les critiques et les invectives que projettent d'entreprendre certains camarades moins avertis de l'importance de l'union à l'ISN, le comité directeur de l'ISN ne perdra pas de temps, ni de son énergie, ni de son temps, ni de ses... Car désormais, notre seule préoccupation, c'est la défense des intérêts matériels et moraux des scolaires nigériens. Le comité directeur de l'ISN regrette de constater que malgré la convocation des assises et l'invitation du comité directeur de tous les scolaires à participer au congrès légal de Niamey, certains ont préféré sombrer seuls dans leur aventure ambiguë.
promouvoir la division des scolaires nigériens malgré les conséquences des infractions constatées et malgré les multiples appels à l'union et à l'unité que nous ne cesserons de faire pour une UNICEF forte et harmonieuse. À ce jour, le bureau d'Ottawa et celui de Niamey sont devant les juridictions compétentes sur plainte du bureau dirigé par Malan. La première décision du juge, il s'est déclaré incompétent. C'est pour dire ainsi que cette affaire de l'USN sera jugée sur son fond et sa forme dans les jours à venir. À l'heure actuelle, chacun des bureaux parallèles de l'USN exerce convenablement ses activités au siège de l'USN sans aucune difficulté. Le cadre organisationnel de l'USN avec ses deux bureaux parallèles, ainsi à travers ses comportements déscolaires, s'achemine-t-on vers la dissolution ou la disparition de l'USN? Les jours ou semaines à venir nous édifieront. Publication hier soir des résultats de l'examen unique de certification en santé édition 2023. Des résultats supérieurs à celui de l'édition en 2022. Les écoles de santé ont diversement apprécié ces différents résultats. Plus de précisions dans ce compte-rendu. De l'USN issu des assises de Niamey du 15 au 16 donne les résultats définitifs de ces assises. Comme je l'ai annoncé donc tout à l'heure, publication le vendredi dernier des résultats de l'examen unique de certification en santé édition 2023, des résultats nettement supérieurs à celui de l'édition en 2022. Les écoles de santé ont diversement apprécié ces différents résultats. Plus de précisions dans ce compte-rendu. L'USN, issu des assises de Niamey du 15 au 17 octobre dernier, a consacré l'élection d'un nouveau comité exécutif de l'organisation. Trois jours après la tenue de ces assises, le président de la table de séance donne les résultats définitifs de ces assises. Au poste de SG, nous avons le camarade Efred Mouloul Al-Hassan avec 79 voix sur 92. Au poste de SGA1, nous avons le camarade Abdoul Rachid avec 87 voix sur 92. Au poste de SGA2, nous avons le camarade Anelka avec 88 voix sur 92. Au poste de SCAS, nous avons le camarade Führer, dénommé général de brigade de l'ISN, avec 74 voix sur 92. Aussitôt s'est déroulée la passation du témoin entre le bureau sortant et entrant, avec une première impression du nouveau secrétaire général élu, issu du congrès de Niamey. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens prend l'engagement solennel devant Dieu et devant les hommes qu'il ne posera ou ne cautionnera aucun acte de nature à préjudicier aux valeurs prônées et incarnées par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et les peuples dignes de notre pays, le Niger. C'est d'ailleurs pourquoi le comité directeur de l'ISN exige la traduction des autorités déchues et leurs complices devant les juridictions compétentes pour que l'histoire serve d'exemple aux générations futures. Plus que jamais, les Nigériens ne doivent tolérer des agissements contraires à la volonté du peuple pour la souveraineté et l'indépendance de la patrie. Efred et ses camarades se sont également penchés sur la tentative d'évasion de l'ancien président déchu, Mohamed Bazoum. Le comité directeur de l'ISN a appris avec sidération la tentative d'exfiltration de l'ancien président Déchi Bazoum et demande au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et au gouvernement du Niger la création de toutes les conditions afin d'identifier et traduire devant les juridictions compétentes les auteurs, co-auteurs et complices de ces actes contraires à la volonté du peuple nigérien désormais souverain. Désormais, le CDISN est dirigé par deux bureaux parallèles issus du Congrès, dirigé par Malan et celui de Niamey, dirigé par Efred. Déjà, cette affaire est pendante les juridictions compétentes en attendant une première décision du juge du tribunal de grande instance hors classe de Niamey qui s'est déclaré incompétent. Les jours ou semaines à venir
nous édifierons de la situation judiciaire de cette affaire. Voilà donc toutes nos excuses pour ce problème technique. Les sociétés de transfert d'argent ont réaffirmé leur engagement à accompagner le CNSP dans la constitution du fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. C'est à travers un transfert gratuit de dons en espèces volontaires des citoyens nigériens. L'annonce a été faite récemment. Plus de détails avec Sharifatou Parezo et Ibrahim Ousmane. Les sociétés de transfert d'argent ont décidé de contribuer à leur manière de la mobilisation du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Ainsi, ils réaffirment leur engagement à accompagner le CNSP dans la constitution du Fonds de solidarité auquel les Nigériens pourront librement contribuer. Les agences de transfert, à savoir Al-Iza, Amana, Nita, Zaina et Niger Post, vont enregistrer des dons en espèces et de manière volontaire selon ce processus bien déterminé. Pour tout citoyen qui désire apporter sa contribution à ce fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, peut se rendre dans n'importe quelle agence de transfert d'argent, notamment chez Nita, Al-Iza, Amana ou Zaina. Donc en donnant le numéro 83 1111 pour dire qu'il souhaiterait apporter sa contribution au fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Donc les agents auront le plaisir de collecter sa contribution et il va recevoir un reçu qui lui atteste que effectivement sa modeste contribution va directement dans le fonds. Et pour aussi informer l'ensemble des populations nigériennes que toutes ces sociétés ont décidé de rendre gratuites les transactions qu'effectueront les citoyens envers cet élan patriotique demandé par les hautes autorités de la République. Ce fonds de solidarité a été créé pour la sauvegarde de la patrie. Il contribuera à soutenir des causes et projets pour le bien-être de la nation. La mobilisation de ce fonds portera sur... Et les ressources sont constituées par plusieurs catégories de contributions. Donc vous avez les prélèvements qui concernent des rubriques de la structure des prix des hydrocarbures sans impacter le prix à la pompe. Vous avez des prélèvements qui sont constitués par la contribution des opérateurs de téléphonie mobile et de la poste à travers les redevances annuelles qui sont versées au niveau de l'ARCEP. Vous avez des contributions qui concernent des prélèvements sur les appels téléphoniques et souscriptions au forfait, mais sur consentement du consommateur. Et il y a des prélèvements qui concernent les tickets de transport terrestre, les péages, les transports aériens. Ce fonds de solidarité constitue une autre forme de modèle de participation citoyenne et d'exercice à la gouvernance. À travers cette contribution volontaire de la population nigérienne, ce fonds permettra au CNSP de conquérir la souveraineté de la nation, mais également constitue un héritage que ce dernier entend léguer à la génération future. Autre aspect de cette édition, parlons donc avec un outil qui est en tendance dans la ville de Niamey. Il s'agit donc des thermos thermiques utilisés pour la conservation des thés et les infusions. Ce sont les outils qui sont prévus par les jeunes sortants. D'autres détails avec Youssouf Haïdara et Siraj Momo. C'est la tendance à Niamey, l'utilisation des thermos thermiques pour conserver le thé. Ces thermos que l'on retrouve en vente aux abords des différentes artères de la ville sont prisés par les jeunes, les femmes et les personnes âgées. Et cela selon les motifs des designs et quantités que ces thermos peuvent contenir. La majorité des clients sont des jeunes hommes. Côté prix, les thermos se vendent selon les catégories. Les thermos se vendent, par exemple,
pour celui-ci à 5000 francs CFA. Il peut conserver la température pour 6 heures de temps. Celui-ci que j'ai en main se vend à 2500 francs et l'autre c'est le thermos à thermomètre, il indique la température. Enfin, celui-là qui est de l'autre côté se vend à 3500 francs. Pour ce revendeur ambulant de thé et infusion, le motif principal pour lequel les thermos sont prisés est leur capacité à conserver la température. Les thermos sont prisés d'abord car c'est un outil qui est à la mode. Aussi, il conserve bien la température, que ce soit pour du café ou du thé. La consommation du thé et les infusions est devenue de la mode à Niamey. Et la commercialisation des thermos thermiques fait des bons chiffres d'affaires pour les commerçants. Fin cet après-midi sur le terrain du CS Libouré de la troisième édition du TGV de la dite commune. Et c'est FC Malalay qui est sacré champion de l'édition en 2023. Le comité d'organisation a tiré un bilan positif de ce tournoi. Mohamed Alpha et Abdelaziz Jibrila pour les précisions. C'est dans une ambiance de circonstances que s'est achevée la troisième édition du tournoi de solidarité sous le signe La paix et la cohésion sociale, initié par l'association de la jeunesse communale de Libouré, AJCL Gomni, parrainé par le président de la Fédération nigérienne de football Fenifoot, le colonel major Djibrila Hima Himadou. La finale de ce dimanche 22 octobre 2023 a opposé FC Tonkobongu face à FC Malalay. Le comité d'organisation a tiré chapeau à l'esprit de fair play qui a marqué le tournoi durant un mois. Effectivement, le fair play a prévalu. Comme on dit, toute chose est difficile, c'est pas tellement facile quand même, on sait. Surtout même un tournoi de quartier ou de village est un peu compliqué. En plus forte raison, un tournoi qui englobe toute une commune. Donc on dit vraiment, malgré toutes les difficultés et toutes les lacunes qu'on a eu à accumuler, qu'on a eu à rencontrer, Dieu merci, et on est aujourd'hui à la finale, donc on est vraiment satisfait, Inch'Allah. On est satisfait à 100% du parrainage, et vu que c'est une chose qui n'est pas du tout facile, parce qu'on dit qu'un président de la Fenifoot peut pouvoir parrainer un tournoi d'une commune. Et donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout facile. On est vraiment facile, il a vraiment assuré et également nous aussi, on lui remercie beaucoup qu'Allah le Tout-Puissant nous laisse ensemble et de nous montrer effectivement les autres éditions. Ce rendez-vous du donner, du recevoir se veut comme un cadre de brassage entre les jeunes de Libouré, surtout que ces derniers s'arment de courage et d'engagement pour jouer pleinement un rôle important dans le développement de Libouré. On est à 11 équipes. Et on sait pertinemment que dans les 11 là, c'est une seule équipe ou un seul village qui doit avoir la coupe. Donc il ne faut pas que l'autre voit que non, il n'a pas eu et que ça puisse créer un zizani ou de la bagarre ou de toutes les choses comme ça. Dans tous les cas, on dit que la commune est Libouré. Donc quel que soit le village qui a gagné, donc c'est Libouré qui a gagné. Et Inch'Allah, on remercie tout le monde, les supporters, les joueurs, les staffs, les coachs, tout le monde. Et on profite également de remercier tous nos partenaires. C'est ainsi que FC Malalay s'est imposé sur le score de 2 buts à 1 et a remporté le trophée médaille d'or. Un lot de maillots plus un ballon. FC Tonkobongu, deuxième, a reçu médaille d'argent et un lot de maillots ainsi qu'un ballon. Troisième, Tchandi Farou, un lot de maillots. L'équipe Fair Play, le meilleur buteur, le meilleur gardien ainsi que les arbitres de la finale ont été tous récompensés. Rendez-vous, l'édition 2024. Place à présent à la rediffusion de votre rubrique La Une des journaux. C'est avec Moustapha Abdourahmane Zongoma et Aminata Yaya Maïga. Très bonne réception. Au revoir. Moustapha Zongoma est avec moi sur ce plateau pour la chronique La Une des journaux de Bonferré. Bonsoir Moustapha. Bonsoir Aminata Yaya Maïga.
Cette semaine aussi, c'est la marche de la transition en cours au Niger qui intéresse nos confrères de la presse écrite. Le journal Le Renouveau évoque la soif de justice des Nigériens sous le titre « Issoufou Mahamadou, une épine dans les bottes du général Tchani ». Effectivement, Aminata, le journal écrit « Si l'on devait donner à la corruption et à l'impunité d'autres noms, on pourrait les appeler les 10 ans du règne d'Issoufou Mahamadou ». Les deux quinquennats d'Issoufou ont été ponctués de longues séries de scandales politico-financiers, les uns plus gros que les autres. Les doigts de la main ne suffisent d'ailleurs pas pour les énumérer. Le journal donne à titre de référence les affaires Uranium Gate, Mukuru Gate, l'achat de l'avion présidentiel, les rails de Bolloré, les centaines de milliards de francs CFA prétendument injectés dans l'organisation du sommet de l'UA, les dizaines de contrats flous noués à tout vent sous forme de partenariat public-privé, les faux marchés publics au ministère de la Défense nationale, entre autres. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, s'est dit disposé à réparer les torts causés aux Nigériens par une décennie de malgouvernance. Ce chantier passe inévitablement par une chasse implacable contre ceux qui ont siphonné les deniers publics. Issoufou Mahamadou doit-il subir le même sort judiciaire que certains caciques du PNDS Tareya, aujourd'hui en prison, le journal s'interroge. Si cela ne tient qu'aux Nigériens, en grande majorité, l'ancien chef de l'État aurait passé de la somptueuse résidence qu'il occupe depuis son vrai faux départ du pouvoir à une cellule de prison. Seulement, le général Tchani ne veut pas se substituer à la justice, dit-il. Tout le monde n'est pas juge. Laissant la justice faire son travail, a-t-il récemment déclaré en termes clairs, ceux qui veulent voir Issoufou Mahamadou répondre devant la justice par rapport à sa gestion de l'État doivent prendre leur mal en patience, à en croire nombre d'observateurs. L'ancien président de la République constitue aujourd'hui une véritable épine dans les bottes du général Tchani. L'hebdomadaire L'Éclosion s'indigne de la tendance prématurée de vouloir déjà parler de bilan de la transition après seulement 80 jours. En général, les régimes démocratiques issus d'un processus électoral bénéficient d'une période de grâce allant de 6 à 12 mois, c'est selon le cas. D'ailleurs, l'on ne parle de bilan qu'à l'issue de 100 premiers jours de gouvernance, mais voilà qu'après seulement 80 jours d'exercice du pouvoir d'État par le CNSP et une soixantaine de jours pour le gouvernement de Maman Ali Lamine Zène, certains veulent déjà parler de bilan, ce qui paraît déraisonnable selon le confrère au regard du contexte dans lequel le CNSP a pris le pouvoir et l'animosité des organisations sous-régionales et la France contre le Niger. Nos voisins du Mali et du Burkina Faso ont tous deux connu deux coups chacun à l'espace de quelques mois, n'ont pas vécu autant d'acharnement que le CNSP, la CEDEAO, l'UOMOA, l'Union africaine, mais aussi l'OTAN et l'ONU ont fait et continuent de faire feu de tout bois pour entraver la marche du Niger vers sa souveraineté, sa libération du joug français. Malgré tout, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP et le gouvernement arrivent à faire tourner le pays condamné à s'effondrer en 2 semaines, selon les anciens dignitaires du pays. Le CNSP et le gouvernement sont décidés à faire les choses dans l'intérêt supérieur du Niger, mais au regard des pratiques de l'ancien régime qui a tristement réussi à corrompre les valeurs morales, sociétales, religieuses et administratives au profit des contre-valeurs de toutes sortes, il faut de la prudence dans les choix. Il faut aussi un travail méticuleux pour dénicher les compétences et les personnes dévouées à l'État. Ce dernier aspect est très important au regard de la saison des opportunistes que nous vivons depuis la fin de la malheureuse Renaissance. Ils sont nombreux à voir vite retourner leur veste, tentant de se faire une nouvelle virginité alors qu'ils ont été complices, voire acteurs de la situation que nous venons de traverser. Le remarque que dans les nouvelles nominations, les postes liés aux finances et aux marchés publics sont en grande partie donné aux forces de défense et de sécurité, ce qui suppose une volonté de nommer des gens connus par le CNSP, mais aussi éviter le risque de se faire tromper. Le journal La Roue de l'Histoire se lance dans les pronostics relatifs à la présidence de l'organe législatif de la transition du CNSP sous le titre « Qui pour diriger le Conseil consultatif national ?» Dans les milieux de la société civile, on cite principalement les noms de 3 acteurs. Il s'agit
de Nuhu Mahamadou Arzika du Mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, MPCR, de Ali Idrissa Nani, promoteur du groupe de presse Labari et coordonnateur du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, le ROTAP, et Issoufou Boubacar Kadou Magaji, un des doyens du mouvement syndical nigérien, consultant indépendant en finances publiques et ancien inspecteur général d'État. Tous les trois contribuent inlassablement au mouvement souverainiste et de refondation de la République en cours dans notre pays. Il faut aussi noter qu'une autre tendance favorable plutôt à un militaire à la tête du CCN est en train de s'afficher. On parle du général à la retraite Munkaila Issa, un acteur politique qui a également participé aux élections présidentielles de 2020-2021. D'autres sources évoquent un officier membre du CNSP. Dans certains milieux politiques, on parle avec insistance de l'ancien Premier ministre Brigitte Raffini pour conduire le Parlement de transition. Il vient d'ailleurs d'atterrir à Niamey et s'est installé dans son domicile où il reçoit, semble-t-il, beaucoup de visites selon le journal. On parle également du président du parti PJD Akika, Maman Hamissou Momouni. C'est dire que rien n'est joué d'avance, la lutte risque d'être âpre, même si on ignore pour le moment l'option pour laquelle penche le CNSP, acteur de la société civile, acteur politique, responsable militaire. Toutes les hypothèses sont possibles à l'étape actuelle des choses où le CNSP n'a ni clarifié ni pris l'ordonnance portant composition, mission et fonctionnement de cette institution stratégique dans l'architecture de la transition. Toujours est-il que le CNSP doit accélérer le processus de mise en place du Conseil pour démarrer véritablement la transition. Retour au pays de l'autorité morale du moderne Lumana Africa, le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine met en scène l'adversité Hama Amadou contre Issoufou Mahamadou, acte 3. D'après certaines sources, depuis le retour de Hama Amadou au Niger, Issoufou Mahamadou n'arrive plus à avoir le sommeil. En effet, s'il y a un seul homme politique que Zaki craigne véritablement au Niger, c'est sans doute Hama Amadou, et c'est à juste titre d'ailleurs. En effet, durant ses deux mandats, pour être tranquille, Issoufou Mahamadou a dû créer toutes les conditions pour pousser son plus grand adversaire politique à l'exil. Même en prison au Niger, Hama Amadou dérangeait les princes roses au pouvoir. C'est pourquoi aujourd'hui, le retour de Hama perturbe sérieusement le sommeil de Zaki. Il sait qu'à armes égales et dans les conditions normales de pression et de température, comme on le dit en chimie, il ne peut rivaliser avec Hama Amadou. D'où aujourd'hui toute la panique qui s'est emparée d'Issoufou Mahamadou, qui imagine que l'autorité morale du modèle Lumana Africa est en train d'ourdir un coup contre lui. Certains observateurs estiment que dans quelques mois, on assistera probablement à un duel au sommet de l'État, Hama Issoufou, comme cela a été le cas sous la défunte 7e République. C'est dire que ça va chauffer dans les mois à venir. Et puis Aminata, avant de nous quitter, découvrons ensemble ces autres unes de journaux parues cette semaine. La une du journal Le Canard en furie, numéro 349 du 10 octobre 2023. Mohamed Bazoum, un homme d'affaires qui se cachait derrière des pantins. Le journal L'Actualité, numéro 726 du 16 octobre 2023, qui a pour sa part titré « Affaire MDN, quand Bazoum traitait Katambe de menteur ». Enfin, la une du quotidien gouvernemental Le Sahel, numéro 10610 du 18 octobre 2023, coopération, le consul général du Burkina Faso et le chef de délégation du CICR présentent leur lettre au ministre Bakary Yaou Sangaré. Moustapha Zongoma, merci. Merci également à vous, Aminata Yaya-Mega. Monsieur Dame, merci également à vous pour votre fidélité. Ici se referme cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.